anticipé. Adel Meïza, ou plutôt le numéro 14. Balle intéressante. Oh non, 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 non. Le rebond du ballon qui a pris à défaut le gardien Mansouri. Heureusement pour Mansouri et les joueurs de l'USMA, cette balle n'était pas cadrée. Aïe, 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 aïe. On peut même dire que la JSMB est passée à côté d'une occasion nette de scorer. Le coup franc a été judicieusement joué par Mehdi Kassem. Verti en défenseur pour prêter main forte à Mefnah Rabia. La Gasmi, ballon récupéré par Djellit. Que va-t-il faire? Il cherche des espaces, il décoche une frappe qui n'est pas passée très loin du montant de l'équipe. Mais Djellit, vous avez oublié un détail très très important. Moi, quand j'ai parlé de la JSMB, attention, elle est sortie de Si Mohamed Cédric. Quand je parlais de la JSMB, puisqu'il y a un rival. Ce que Maïza a donné, c'est une passe très très difficile pour le gardien. On revoit cette chevauchée de Farhat et cette sortie de Si Mohamed Cédric. Il était obligé à revenir à de meilleurs sentiments. Bien joué par Gasmi qui écarte en direction de Kassem Mehdi. Que va-t-il faire? Il centre. Oh là 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 là. Il a tenté le retourner acrobatique Djellit. Oh que c'est des mensonges d'Ismaël. Et il est sorti pour intercepter cette balle. Et là, il a complètement raté son retourné. Non, maintenant on voit le vrai visage des Bidjaoui. Ils sont en train de faire circuler la balle d'une manière action. Et ça, ça fait plaisir d'une équipe qui a beaucoup de qualité. Il laisse l'avantage, monsieur Booster Djellit. Va-t-il pouvoir passer une tente le grand pont? Oh, il frappe. Mansouri qui relâche le ballon. Mansouri en deux temps. Il a réussi à éviter un but certain, l'USMA d'Alger. Il était bien tissé ce mouvement collectif. Ou bien cette combinaison entre Djellit et Djellit. Et un coéquipier en l'occurrence Gasmi qui tire du pied gauche et en deux temps Djellit était décidé à ne pas laisser passer ce ballon. Donc à chaque fois qu'ils mettent le ballon à terre, ils font du danger et je pense qu'ils continuent comme ça, il va y avoir Le Mouchia qui donne à Boumchra en écart en direction de Yassine Bezaz. Yassine Bezaz qui ne se précipite pas. Yassine Bezaz double crochet et il centre en direction de Daham. Heureusement pour la JSMB qui avait cette anticipation de la part de Maroussi. Autrement dit, croyez-moi Djellit, sur cette action-là, Daham n'aurait pas fait dans les détails. Il aurait sûrement réussi à tromper la vigilance. Exactement. Aussi Mohamed Sidri. Exactement, tu vois, comme je t'ai dit, la capacité physique de ce joueur-là. J'ai l'impression qu'on veut terminer cette première mi-temps comme elle a commencé. Il n'y a pas faute dit, monsieur Booster. C'est probablement la dernière action dans ce match. Maroussi qui montre un manquable. Alors que Mansouri, il était sorti. Il a tenté le lob, Maroussi. Malheureusement pour lui, il n'avait pas suffisamment d'appui pour bien ajuster sa balle. Exactement, son puits d'appui était très très loin du ballon. Et je pense, regarde, Maroussi, il est en train de faire un excellent match. Tu vois, il fait les actions offensives et défensives. Ça, c'est digne d'un grand joueur. Il a tout d'abord mis dans le vent Nasreddin Khoualed. Et là, il s'est aperçu que Mansouri était sorti. Et il a tenté le lob, ça n'a pas d'oreille. On fait tourner le ballon côté JSMB. En attendant des jours meilleurs, j'allais dire des heures meilleures, j'allais dire des minutes meilleures, puisqu'il y aura la deuxième mi-temps, la fin de la première manche, bien dirigée par monsieur Booster. Les 22 acteurs nous ont gratifié d'une mi-temps, d'une première mi-temps pleine.